Bonjour à tous et bienvenue dans cette mise à jour de l'analyse technique du Bitcoin. Aujourd'hui, nous sommes le 17 juin. Nous allons faire un petit tour du côté de l'évolution des crypto-monnaies et on voit qu'il y a beaucoup de rouge. Donc, prudence si vous devez investir ou trader sur les marchés des crypto-monnaies. Du côté du Ferengrid, on voit que l'index est toujours dans le neutre. Donc, on est plutôt en phase de latéralisation et de consolidation. Au niveau de l'analyse technique, on va commencer avec une analyse technique sur le Bitcoin en weekly et pour remarquer que la tendance de fond reste toujours haussière sur le Bitcoin. Cependant, il faut quand même faire attention parce qu'on voit qu'on est en train de latéraliser ici avec quelques bougies qui sont enfermées dans un range entre le 32 000 et les 40 700 à peu près dollars. Et on remarque sur le graphique aussi que la Tenkan-sen commence à être descendante et risque bientôt de créer une death cross, donc un croisement avec la Kijun-sen et qui serait un signal baissier. Donc pour le moment, prudence, on reste haussier à long terme, mais il faut quand même faire attention à l'inversion de tendance. Concernant l'évolution du graphique en daily, alors on voit que les prix sont toujours en dessous du nuage et que ce nuage est baissier. Donc prudence parce qu'on est vraiment neutre sur cet actif en daily. On voit que les prix sont toujours enfermés entre la borne des 32 000 dollars et des 40 700 dollars. On voit que les prix sont de nouveau rejetés sous la borne des 40 700 dollars. Donc il y a de très fortes probabilités qu'on vienne revisiter les 36 000 dollars, puis les 34 000 dollars, voire même les 32 000 dollars qui sont la borne basse de ce range. Quand on regarde sur le graphique en 4 heures, alors ici on voit qu'on est toujours en évolution au-dessus du nuage. On reste quand même toujours enfermé dans ce range et on voit ici très bien les rejets qui sont toujours effectués sur cette borne des 40 700 dollars. Les prix sont passés sous la Tenkan-sen et qui sont venus rechercher un support au niveau de la Kijun, ici aux alentours des 38 000. Donc prudence, là on est vraiment en forte latéralisation. Éventuellement, on peut essayer de trader les hauts et les bas du range. Et pour ceci, il faut que vous regardiez quand même bien vos unités de temps entre le 1h, 4h et le daily pour pouvoir déterminer sur quelle position vous voulez entrer ou sortir sur le marché. Après, honnêtement, ce n'est pas du tout un marché haussier ou baissier, donc beaucoup de prudence dans vos prises de position. Au niveau du graphique en 1 heure, alors ici à court terme, vraiment à très court terme, on est repassé sous le nuage, donc c'est plutôt un signal baissier. On est passé sous la Kijun et les prix sont en train d'essayer de tenter un petit rebond au-dessus de la Tenkan pour essayer d'aller chercher la Kijun, mais c'est peut-être juste un pullback pour repartir ensuite vers les 36 000 dollars. Merci d'avoir suivi cette analyse. Je vous retrouve demain pour la mise à jour de cet actif et de l'analyse technique sur le Bitcoin. Si vous avez la moindre question, vous pouvez laisser un commentaire à cette vidéo et j'y répondrai. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, sur lequel je poste régulièrement des mises à jour sur le Bitcoin et sur l'évolution des crypto-monnaies.